On a encore un petit quiz, je vous en ai parlé, un petit quiz foot pour clôturer déjà cette première mi-temps et rentrer dans le vif du sujet de la deuxième mi-temps. Donc je voulais expliquer le quiz foot très simple, le tuer plutôt. Donc simplement choisir entre deux propositions. Peut-être que les deux ne vous emballeront pas des masses, mais le but est de jouer le jeu et de choisir J'ai un entre les deux. joker. Et il n'y a pas de joker. Pour l'instant, personne ne l'a utilisé et tout le monde a joué le jeu. Je rassure tout de suite, ça n'engage à rien. Voilà. Le but est simplement de faire des choix entre quelques propositions et vous avez un droit de retour juste après. Si jamais il y a quelque chose où vous êtes senti un petit peu coincé dans le fait de devoir choisir. Et ne faites pas le politicien, hein. On est au foot ici, hein. Nous, on fonctionne sans langue de bois ici. Je vous On est. écoute. Ok. On est prêt? Oui. Très bien, on est parti, Monsieur Delferrière. Donc vous êtes plutôt Champions League ou Coupe du Monde? Coupe du monde. Amical ou officiel? J'ai pas entendu la question. Amical ou officiel? Officiel. Arbitre ou supporter? Arbitre. Jupiler League ou division inférieure? Division inférieure. Messi ou Ronaldo? Hasard. Ronaldo. Standard ou Anderlecht? Standard, ils sont en finale. Mexico 86 ou Russie 2018? Mexico 86. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Youri Tielemans ou Dries Mertens? Tielemans. Bénévole ou dirigeant? C'est la même chose. Mieux former les coachs ou mieux former les arbitres? Former les coachs. Oui, former les coachs. Foot féminin ou foot masculin? Foot féminin. La médiatisation du foot amateur ou renforcer encore celle des clubs pro. Amateur. Formation en ligne ou formation en présence physique. Présence physique. Et plus de moyens ou de reconnaissance pour la CFF. De moyens. Et la dernière, foot amateur ou foot pro. Amateur. Ah, ça va, il a. Hein? Ouais. Ça a été, ça Ouais, va. ça. On n'a pas ripé, rien. Merci, monsieur Delferrière, d'avoir joué le jeu. On n'a pas mis de piège, hein, vous avez vu. L'idée, c'était de passer un chouette moment et d'en connaître un petit peu plus sur vos préférences. Est-ce que vous voulez revenir sur l'une des réponses que vous avez données? Non, je pense que peut-être vos auditeurs peuvent me demander une explication, mais Non. non, je suis de plus en plus, depuis Moi, je des années, vais. dans le Moi, football j'en ai une pour amateur. vous. Vous avez répondu Ouais. bénévole et dirigeant. Pareil. Oui. C'est la même chose. Aïe, moi je suis pas Tous les tellement d'accord dirigeants. parce que je connais des dirigeants qui passent à la caisse. Oui, mais j'ai expliqué ça encore à deux, j'ai expliqué ça encore à deux ministres quand ils me disent, vous savez, Monsieur Delferrière, les bénévoles reçoivent 1300 ou 1400 euros, ils peuvent recevoir 1400 euros, 2400 euros, suivant qu'ils sont dans le sport ou pas, par an. Je dis non, vous confondez les vrais bénévoles, les vrais dirigeants de club dans le football amateur, c'est eux qui donnent 1300 ou 2400 Vrai. en payant des verres dans la buvette, en passant leur temps, en achetant des choses pour le club. Ça, ce sont les vrais bénévoles, ce sont ceux qui donnent et pas ceux qui reçoivent. C'est vrai, je suis d'accord avec la réponse. Pour le coup, Steph, hein, faut Moi, voir de quel type de dirigeant on parle. On en connaît d'autres, c'est ça que tu veux dire, je connais voilà. des requins. On en connaît, Ouais, moi j'en connais je aussi. connais des requins. C'est sûr que ça existe, on ne va pas Ouais. dire le contraire. Ouais. Très bien, merci messieurs pour cette première mi-temps.